Bon, bah les zinzins, aujourd'hui on se retrouve pour une petite pêche de barbeau sur les bords de la Somme. Donc le matériel est en place, hein, ça pêche là depuis 5 minutes. On espère faire un poisson, ça va être compliqué, hein, les conditions météo sont encore extrêmement changeantes. Beaucoup de vent aujourd'hui, des nuages qui passent et tout, on ne sait pas si on va prendre de l'eau ou pas. Je pense que ça va être une pêche itinérante, je vais essayer d'aller les chercher, hein, les barbeaux, parce que là la rivière court encore très fort. Donc ils ont commencé à fermer certaines portes d'écluses pour justement ralentir le courant de la Somme. Donc ce qui est plutôt bon signe, hein, pour les semaines à venir. Et puis donc aujourd'hui je pense que je vais faire au moins 2 spots. Je reste ici une heure et demie en fonction, je vais voir s'il y a une touche ou pas. Et si au bout d'une heure et demie j'aurai pas de touche, je prends pas de touche. J'irai sur un spot au-dessus. Je pense que je vais aller me réfugier dans le centre d'Amiens. Et puis on verra un peu s'il y a moyen de faire un barbeau là-bas. Allez, on croise les doigts et on se retrouve au premier poisson. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Eh ben, première touche de la journée, hein. Ce sera sur le troisième spot, hein. Donc il a vraiment fallu être itinérant. Une belle touche, hein, bien violente. Donc il a bien filé dans le courant avant la prise de contact. Et là, il est bien en train de remonter. Il remonte comme un ouf le jus. J'espère que c'est un joli poisson. Souvent quand ça remonte le courant comme ça, c'est signe de poisson honorable. Ouais. Ouh là 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 là. Il a l'air puissant. Hein. Alors là, il est devant moi à la période bien plus chaude de l'été. Ouais, c'est un joli poisson. Non, tout ça, c'est rempli d'herbiers. Et là, on a la chance. C'est tout propre. Ouais, un joli poisson. Bien proportionné, bien musclé. Ah, à mon avis, on n'est pas loin des 4 kilos. Là. Ça, c'est un poisson qui va se peser.
Oh oui, c'est un très joli poisson. Bon, bah les copains, premier poisson de la journée. Après deux premiers spots, on n'a rien touché. Un superbe spécimen à 4 kg, tout rond. Magnifique. Hein. Bah, vu la touche violente qu'il m'avait fait et comment il a remonté le courant pendant le combat, j'en étais sûr, hein, c'est un joli poisson. Bah, on espère qu'il va nous ramener sa grand-mère. Allez, on le remet à l'eau. Bien le courant fil tendu aussi. Est-ce que ça va être un deuxième joli poisson? Oh lolo, il remonte, il remonte, il remonte. Décroché. Oh ouais, joli poisson aussi. Peut-être un peu plus petit que le premier, mais c'est un joli calibre aussi. Hop là, il n'est pas décidé. Eh ben les copains, un superbe poisson, donc dans le même calibre. Le précédent pesait à 4000 tourons. Et celui-là, il est à 3005. Alors, il m'a fait un superbe combat. Magnifique, avec une belle voile bien dressée. Superbe. Allez, on va vite le remettre à l'eau. Allez les zinzins, la partie de pêche est terminée. Donc aujourd'hui c'était une pêche itinérante, hein, vous avez pu voir. J'ai pas fait d'image sur le deuxième spot parce que j'y suis resté vraiment pas longtemps, je suis resté 45 minutes. La rivière était pas superbe, elle charriait beaucoup, etc. Donc je suis vraiment pas resté longtemps. Et j'ai décidé de finir ici. En même temps, ça me rapproche de la route pour rentrer. Voilà, donc une petite traque, hein, bien sympathique, de magnifiques poissons, puis j'en perds un troisième, hein, mal piqué. Donc ouais, deux magnifiques poissons, hein, franchement je suis content, les gros poissons sont déjà actifs, donc c'est cool, ça laisse augurer plein de bonnes choses pour le reste de la saison.
On est toujours dans les températures, enfin la météo un peu compliquée, hein. Du soleil, de la pluie, du vent, mais bon, la flotte, hein, comme depuis X mois maintenant. Et puis, pas mal de vent, là, pendant, ça fait 2-3 jours. On a eu un gros épisode d'orage avec plein de grêle, un peu sur le bas du département, plus vers l'Oise. Et mes copains canards sont toujours là. Et puis, donc là, aujourd'hui, c'était Barbeau. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera peut-être sur l'étanche ou les rotangles, on verra. Je vais voir en fonction. C'est la météo, hein, qui me dit ce que je fais comme pêche. C'est tellement compliqué la météo en ce moment. Donc, c'est elle qui me guide. Donc, n'oubliez pas de nous rejoindre sur le groupe Rivière Feeder et Compagnie. On est toujours de plus en plus nombreux et on a de plus en plus de belles photos de poissons. Et ça discute pêche en eau libre. Et puis, bah, laissez un petit pouce, un commentaire. Puis abonnez-vous, hein, pour ceux qui ne le sont toujours pas. Et ça fait plaisir de voir, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Allez, à bientôt au bord de l'eau.